Religion. Est-ce que. Ouais. C'est chiant parce qu'en fait, je vois plus du tout. T'es toujours là? Oh, je rallume le truc. Hein. Normalement, c'est bon. Ouais, normalement ça va, c'est bon, c'est revenu, mais j'ai eu une chute. Je suis passé de 6000 kilobits par seconde à 700. 300. Donc oui, effectivement. Mais comme j'ai mon haut-parleur devant le petit carré qui te dit si le flux est bon ou pas, je ne voyais pas que j'étais dans le rouge, malheureusement. Et comme il n'y a jamais eu, il n'y a plus d'incident, ça fait des années qu'il n'y a plus d'incident de connexion. Voilà. Il a fallu que je reboote la box, quoi. Donc ça a pris un peu de temps. Après, j'ai refait un speed test histoire d'être sûr que c'était OK. Et j'ai récupéré mes 300 mégabits par seconde de download. Et mais bon, le upload est un peu faible. On était à 42 au lieu de 70. Mais bon, c'est pas grave. Pourtant, on sait que ça passe. Le reboot, ça carie les informaticiens. Ah bah ça. Mais c'est chiant parce que j'ai fait que ça de la journée, quoi. Reboot tout le temps et tout. Au bout d'un moment, c'est casse-couille, quoi. Va falloir que je me fasse dépanner parce que. Mais c'est chiant! Ça fait perdre du temps! Ok. J'espère que c'est pas la box qui déconne. Ça ferait chier. Alors, reprenons. Reprenons. Je sais même plus ce qui se passait. J'ai tout oublié. Comme le chien. Voilà. J'ai popé. Ah, ça recommence, j'ai l'impression. Ah, ça chute un peu, quoi. C'est vraiment instable de ouf. On reste aux alentours des 600, mais des fois ça descend en dessous des 5800. Ah. Ah, ça me stresse. Vous savez quoi? J'en ai quand même marre de pas avoir du matos de professionnel, des conditions de professionnel. Que ce soit pour streamer ou pour faire des vidéos. C'est relou. Merde! Ah, j'y étais. Des fois, j'aimerais bien, vous savez, avoir 10 000 balles d'un coup, puis pouf! Me racheter masse matos, du vrai matos, du bon matos qui marche, une vraie connexion internet. Non, j'ai une vraie connexion, j'ai une bonne connexion internet, y a pas de soucis. C'est pas ça le problème. Je sais qu'ils sont contents. Non, non, mais non, je plaisante. J'ai pas envie qu'une seule personne me donne 10 000 balles. Non, ça, merci. Ça me ferait peur, tu vois. Joli! Ah, il va falloir repasser après. Non! Ça va pas être pour ce soir, désolé. Y'a pas de soucis. Yo, une petite madame. Et re tout le monde. Je sais pas combien on est, du coup, je vois rien. Changer, bah ça part. Les chiffres ne sont pas revenus. C'est rigolo, une petite madame. J'ai l'impression que c'est ma mère qui est là dans le chat. Ah
Alors comment je fais là cette merde moi? Il dort. C'est facile ici là. Coucou Noliprane, comment vas-tu? On était 15, nous sommes 7. Il y a quand même pas mal de gens qui se sont barrés malheureusement. À cause de cette coupure, hein, c'est le risque du métier. Non! Ah, il faut tout faire. Et bon, maintenant on sait. J'en parlais, c'est compliqué. Je sais pas quoi te dire à part. Soutien. Gros soutien. Et tout le monde en envoie du love à Noliprane dans le chat. Et si vous avez des plans pour une graphiste, n'hésitez pas à la MP. Elle a aussi un coffee. Vous pouvez lui passer des commandes et tout. Ce sont des cuistres, les vrais sont ici. Ah, j'aime pas trop les cuistres, je préfère les moules. Hop là. Attends, un litchi maintenant, c'est encore un autre truc? D'accord. On ne savait point. Elle a les deux. C'est bien. C'est sympa. Oh, ça va être chaud parce que. Oh, nique-toi la chauve-souris! On peut faire comme ça? Et c'est moi qui nique la chauve-souris du coup. Ah putain la grosse pute. Une amie qui m'a conseillé. D'accord, je connais pas Lich. Mais c'est vrai qu'il vaut mieux varier les plateformes parce que ça permet de brasser plus large. Et d'offrir plus de possibilités aux mécènes. Il y en a qui peuvent ne pas aimer telle ou telle plateforme, ou alors qui sont déjà inscrits sur une plateforme et du coup qui veulent pas s'inscrire. C'est normal, c'est parfaitement compréhensible. Donc c'est pour ça il vaut mieux privilégier le pluriplateforme, le multiplateforme. Bon, l'allée, ça va. Bon, j'ai cru que ça allait pas marcher. À chaque fois, c'est chaud. Non, c'est pas le bon bouton. Voilà, on fait comme ça. On va la jouer comme ça. C'est rien, tout bien. Je deviens possédé. Ah. On sait pas si on terminera le temple des pyramides ce soir. Mm-hmm.
Faut que je... Ah non, c'était un caillou, merde. J'avais un caillou. Je l'avais pas dit, mais super efficace la dernière miniature. Merci! Parce que je commence à essayer de me faire au code et tout ça et tout. Et du coup, c'est vrai que c'est. Bah avec celle de Polybius, c'est la deuxième miniature nouvelle génération que vous voyez apparaître dans vos flux d'abonnement. Parce que j'ai refait toutes les miniatures comme ça en fait. Et maintenant, elles vont toutes être dans le genre là. Et je mettrai pas toujours ma gueule dessus parce que ça ne nécessite pas toujours. En l'occurrence, ça ne nécessitait pas du tout. Et c'est vrai que c'est devenu un délire en soi hein, de trouver comment faire le mieux possible la miniature, comment trouver le meilleur titre possible et tout. C'est... J'ai écrit plein de titres différents, j'ai fait plein de miniatures différentes. C'était... C'est plutôt casse-couille. Oh, j'ai fait le fifou là. J'ai peur. Essai après essai, ces crocs se rapprochent de plus en plus de mon cul. Non, on va attendre qu'elle passe. Ah mais merde ! Nique-toi, nique-toi, nique-toi. Nique-toi bien, nique-toi bien. Non mais je suis content, merci, merci coach, merci pour tous les retours. Je suis content parce que tous les efforts que j'ai mis se sont vus, se sont ressentis et ont été appréciés. Et ça c'est bien. Je pense que pour les studios de prod multi-chaîne, tu peux mettre deux mecs rien que pour les miniatures. Un artiste. Ah oui, un artiste, un chargé de com, bien sûr, bien sûr. Évidemment. Évidemment que la plupart des gens ont des employés, entre guillemets, dédiés à ça. Hein. Je veux dire, la plupart des... Ils sont très très rares à être comme moi, à faire leur truc eux-mêmes. Hein. Et à se démener pour trouver comment faire bien efficace. Et oui, hein, ils sont tous... voilà, quelqu'un qui fait les miniatures, il y a quelqu'un qui fait la com, qui cherche les mots-clés, tout ça, enfin, des grosses boîtes, hein. Mais bon, moi, la prio, je pense que la prio, déjà, quand j'aurai les moyens, ce sera un comptable juriste, parce que j'en ai marre, je perds un temps infini à gérer mes papiers, tout, ma compta et tout le bordel. Je perds aussi un temps infini à me renseigner sur des trucs juridiques et à faire gaffe à des machins et tout. À faire des déclarations et tout le bordel. Donc un comptable juriste déjà, rien que ça, ce sera trop bien. Mais bon, j'ai pas les moyens. Et après, ouais, je pense que... Ouais, quelqu'un pour faire des miniatures ou... Ou monter les shorts. C'est à long terme, c'est mes projets. Après, à très long terme. Enfin, à moyen long terme plutôt.
à très long terme, il y a tout un tas d'autres trucs que j'aimerais bien développer, mais j'essaie déjà d'atteindre cet objectif. On verra pour la suite, qui paraît complètement utopique. Personne pour faire bouquin ça. Ouais, les réseaux sociaux. Ouais, un chargé de com pour les réseaux sociaux. Ouais. Ah, ça après, bon. Pff. Les publications, c'est pas. Enfin, ça, c'est pas compliqué à faire, quoi. Puis de toute façon, les réseaux sociaux, faut que j'y sois présent moi, puisque c'est mes réactions, c'est mes interactions avec le public. Ça peut pas. Je peux pas simuler ça comme les politiques ou. Oula. Ah, il va pas me laisser passer. Ah, le bâtard, il va marcher. Les miniatures, je pourrais me proposer. Oh, je sais bien. De toute façon, c'est pas. Oula! C'est pas les gens qui manquent, c'est juste les moyens. Je ne sais pas. Salut. Je suis dans la merde de ouf. Ouais. Déjà, faut que je me débarrasse de celui-là, là. Parce que... Là, il va me niquer, voilà, c'est parce que... Merde. Mais si je saute par-dessus... Ah non, je peux pas. Ah! Grosse dèche de merde. Je peux pas, mais c'est pas possible. Au secours. Je gagne au loto 5%, j'avoue. Mais je joue même pas. Non, mais. Ne joue jamais. Mais merci, c'est gentil. La tension est là. Ça fait plaisir. Voilà, putain, ce que je veux faire depuis tout à l'heure. On va faire pareil avec lui. Ah merde, non. Ah. Non.
Il est mort. J'espère qu'il est mort, hein. C'est le décès, quoi. Ah, alors du coup. Attends qu'il est mort. On va pas faire le con. Oh yes. Oh yes. Oh non. De toute façon, il est tout seul, donc il va avoir peur. Tu as peur? Voilà, tu as peur. Très bien. De toute façon, tu es mort. Non, non. Merde, putain. Quelle patience. Allez, cours-moi. Course-moi, putain, t'es où? Ah là, il est mort, là. Oui. Faut que je fasse gaffe, hein. Je fais exprès, hein. Ma porte de sortie. Moi, je comprends pas pourquoi ces phases avec la cloche, on peut pas les faire nous-mêmes. Oh yes! J'ai buté tout le monde. Moi, je suis ravi. Jacob. Il va y en avoir quand même un autre qui va... Ah non, c'est bon. Oui! Bon, on fait attention. Hein? Ah, bientôt le dernier moment fatidique approche. Ah, brillez. Ça va faire Gilly dans le bidon. Let's go! J'aimais bien les icônes de cartes mémoire, enfin des jeux sauvegardés sur les cartes mémoire. Il y avait des petites animations et tout, c'était très sympa. Et il y en avait même, si tu faisais plusieurs fois la sauvegarde du même jeu, bah t'avais différentes icônes. Final Fantasy, c'était le cas.
C'est bien foutu. J'aimais bien. J'aime toujours bien. Parce que une chauve-souris, c'est pas assez chiant. Non, c'est pas ça qu'il faut que je fasse. Il faut pas que j'arrive, faut pas que j'aille au bord. Allez, allez, courage. Ce n'est pas grand-chose, tu es des petits oiseaux, tu vas pas mourir. Elles sont pas synchro en plus, ces salopes. Bon voilà, il n'y avait pas de... Il n'y a pas de quoi faire chier. Elle va où elle? Ah merde, putain! J'entends pas le bip avec l'autre gros truc à côté qui casse les couilles. Il y avait de la patience, hein. Non! Je vais aller trop vite, mais le personnage il va pas assez vite. Il a des animations assez lentes, le personnage, ok? Tu peux pas enchaîner. C'est ça qui est très frustrant dans ce jeu. Les temps de chargement sont longs, le personnage a des animations lentes. Et ça se joue au poil de cul de mammouth. Ah putain, nique-toi! Que j'ai bien géré tout à l'heure. Et là, je le gère plus. Je n'y arrive plus. J'ai passé le seuil de concentration. J'atteins le seuil de fatigue. Non. Ah! J'arrive plus à me concentrer, je me concentre sur les boulets, je vois plus les chauves-souris, et ça y est, c'est parti. Bah oui, il est 22h20. Commence à fatiguer le monsieur. Ouais, mais d'ailleurs, je baille. Je baille aux corneilles, mais non, je baille aux chauves-souris. Ah putain! C'est sous l'axe. J'ai pas demandé d'aller jusqu'au bout. Ah putain, mais c'est chiant, mais je... J'arrive plus à voir les séquences. Des fois il y a des trucs qui me touchent et qui me touchaient pas avant, maintenant qui me touchent, comme par exemple la boule qui me touche dans le dos, alors qu'avant elle me touchait pas dans le dos. Et maintenant apparemment elle a le droit. Non.
Mais putain! Je fais comment, moi? Ah, il peut pas sortir son flingue et tirer sur les cordes qui retiennent les trucs pour les déloger, non? Go. Pourquoi je m'inflige ça? Bonsoir, champ pas flémi. Je vois plus que l'échec en fait, j'arrive pas à me concentrer. Non! Je devrais pas jouer le soir en fait, je devrais jouer l'après-midi. Ou le matin. Je serais plus en forme. Bah non, parce que après je peux pas travailler si je fais ça. C'est dommage. Parce qu'il faudrait, le mieux qu'il faudrait en fait, c'est que j'engage des gens pour faire tout à ma place. L'écriture, le montage, tout. Et moi j'allume juste ma caméra. Non, même pas, il y a quelqu'un qui allume la caméra pour me cadrer et tout le bordel. Et j'ai juste à dire le texte que quelqu'un d'autre m'a écrit. Et c'est tout. Ça veut pas exagérer, hein. Eh bien, dites-vous que c'est ce que font la plupart des gros youtubeurs maintenant. Non. Oh putain. Absolument, tout à fait, je suis pas flémi. Mais ce qui est bien avec lui, c'est qu'il l'explique et qu'il le dit ouvertement, alors qu'il y en a plein d'autres. Bon, je sais pas, j'imagine qu'il y en a d'autres qui font crari, qui sont tout seuls à tout faire. Genre moi, quoi. Alors qu'en fait, il y a Popol. Non!
Des fois, la boule me touche dans le dos et des fois, la boule me touche pas dans le dos. Je comprends pas. C'est vraiment aléatoire. J'ai l'impression. Putain, je le vois en plus, je suis trop con. C'est comme la boule veut, ouais. Est-ce que la boule veut la boule là? Mais ça me saoule. Je crois qu'on n'ira pas jusqu'au bout du jeu si ça me casse les couilles en fait. Ah. On peut s'en passer. Puis de toute façon, je prévois de. Ah, mais merde, je prévois de faire la version remaster un jour donc. Voilà. J'imagine qu'elle doit être moins frustrante. Parce que déjà, il doit y avoir des autosaves. Ah, putain! C'est pas bon de s'énerver comme ça le soir avant d'aller dormir. Ah, vous l'avez vu comme moi là. Hein. J'étais censé mourir. Qu'est-ce que je fais? Je suis débile. Entre ça et le problème de coup. Ma soirée était délectable. Mais putain, mon écran! Je me GDGise. Je me molaïse. Au contact de ce jeu. Alors. Non, on va attendre qu'elle passe. Ah, sa mère. Putain, mais j'ai appuyé quand il faut, quoi! Ça fait 1, 2, 1, 2, 3. Putain. Masterclass. Oh, mais arrête d'aller trop loin, t'es chiant.
Je vais tenter la sauvegarde là. Peut-être que ça va marcher. Parce que j'en ai marre de tout refaire, putain. Mais pas supprimer notre sauvegarde par milliards. On peut pas... charger à partir du menu de pause. C'est quoi cette arnaque? Ah non, à chaque fois faut se taper ça. Salut. Oui. Nique ta mère. Et là, on serre les couilles. Sans venir la douille. Pas de grosse douille. Oui. Oui. Je ne sais pas. Ah, elle avait pas eu celle-là, la chauve-souris qui descend jusqu'en bas, hein. Je n'ai. Alors, je remarque quand même qu'avec l'âge. On est censé avoir plus de patience, mais moi, je constate que j'avais très certainement beaucoup plus de patience à 13 ans qu'aujourd'hui à 39. Bien plus. Bien plus. Parce qu'à 13 ans, j'ai pris le temps de finir le jeu. En sauvant tous les mudocons, même, d'ailleurs, il me semble. Du coup, j'ai dû le finir deux fois. Je pense. Alors que là, j'ai juste envie de mourir et d'arrêter. Ah mais non ! Il y avait une bombe apparemment au sol. Le mec il chute sur 10 km et en bas, il y a une bombe et des pics. Non, mais c'est surtout que maintenant on est habitué à des jeux moins. Enfin, si, il y a des jeux très exigeants. Toujours. Putain, mais je fais exprès. Je refais la même. Il y a des jeux. Par exemple, il y a Cuphead ou des trucs comme ça qui sont quand même des jeux assez. Assez vénères, mais. Je sais pas, c'est peut-être moins frustrant qu'à l'époque parce que. Je sais pas, il y a moins de. Il y a peut-être moins de problèmes, il y a peut-être moins de... Je sais pas. J'arrive pas à mettre le doigt dedans. Mais... Je pense pas que c'est parce que on devienne... moins patient, c'est juste que... Quoique, c'est peut-être une tendance globale de la société... Parce que maintenant on a accès à tout très vite, n'importe quand. Il faut que tout soit consommable facilement et qu'on passe vite à d'autres choses et tout et ça ne s'arrête jamais. C'est peut-être, oui, c'est peut-être effectivement, c'est peut-être notre environnement social qui a évolué de telle façon que on a. Perdu en patience. Alors, je ne sais pas comment que ça va se passer avec ce putain de clébard. Et ça m'énerve. Je lis partout et j'y prends pas mal de temps, mais quand on m'envoie des vocaux, j'ai juste pas envie. Ah, les vocaux, ouais, ouais c'est un délire à part. Hein. Je ne sais pas. Mais je suis assez d'accord, les vocaux, c'est... Salut.
putain. Attends voir. Oh putain, il faut en laisser un pour qu'il explose. Oh putain. Ok. Ah ! Allez, amène-toi ! Putain, il veut pas. Il faut vraiment que je saute ? Ok. Comment je fais, putain? Ah bah de toute façon faut que je reparte, c'est bon, je peux repartir tout. Je suis en train de me dire. Non? Ou alors il y a un truc à faire. Non, je peux repartir normalement. Puisque j'ai appuyé sur le truc, donc j'ai ouvert la porte. Ça doit être ça. Ah ! Ah ! Saloperie de merde. Et c'est reparti pour la chérie. Jamais compris l'intérêt des vocaux. Oui, c'est clair. Si tu veux parler, t'appelles quoi. J'ai tendance à penser pareil. Je suis d'accord. Surtout que les vocaux en général, enfin moi je suis dans des endroits où quand je reçois des vocaux, c'est toujours quand je suis genre dans le bus ou en public et tout ça et tout, et je peux pas les écouter. Donc parce que voilà, c'est pas, c'est chiant quoi. Let's go! La partie qui fait peur, qu'on va pas y arriver. Je le sens bien. Ah non, je le sens pas bien. C'est parti. Là, c'est du par cœur en plus. Comme quasiment tout dans le jeu. Ah non, c'est pas encore là. C'est pas encore là, putain. Ok, d'accord. Faut pas descendre. Et je crois qu'on peut pas le faire en loose day, en ce truc là. C'est vrai, merde.
Putain, mais saute, trou du cul! Oh, c'est insupportable! Oh là là là! Alors, il y en a une qui est planquée là. Oh là là, quelle angoisse. Non, il y a deux planqués là, putain. Oh là là. Oh la merde. J'enregistrais ici en fait parce que qu'on n'ait pas passé la porte à chaque fois, ce serait... On perdra du temps. Enfin, si je dois recharger bien sûr une sauvegarde, ce qui n'est pas... Ce qui ne sera pas le cas vu que je vais crever comme une merde en boucle. Ah. Ah putain. Non mais je voulais pas faire ça. Mais putain, comment je fais ? Il a de temps, ce con! Sûrement sauter sans ça. Bah, je sais, mais j'ai... Il se loupe à chaque fois. Et c'est relou. Si je fais ça, je me casse la gueule, après je me fais agresser. We believe in you. Oui, ben ça commence très mal. Hein. Vous avez vu le nombre d'écrans que je dois traverser? Ah! Ah, merde! Ah, putain, il... Oh. Bah, je sais que c'est pensé pour se jouer au poil de cul, mais bon, quand même, des fois c'est chiant. Ah!
merde, j'ai sauté. Putain, je vous jure que j'ai appuyé sur le bouton, quoi. C'est relou. Des fois, je sais pas si c'est ma manette qui a du mal parce qu'elle est vieille, ou si c'est l'input lag, ou si c'est le jeu qui est exigeant. J'ai vraiment du mal, en fait. Ah, c'est bon, je peux me... On souffle. Eh merde. Fallait pas traîner, fallait pas attendre. Fallait y aller de suite. C'est pas grave. Oh là là. Oh. Non. Il fallait courir. Aucun stress. Non, ça va, aucun stress. C'est vrai que techniquement, faudrait pas que je stresse. En même temps, je stresse pas des masses, j'avoue. Ça va. C'est juste plus frustrant que stressant, en fait. Oh là. Vraiment, bien que j'appuie fort sur le bouton. Oh putain. Du coup, j'appuie trop tôt. Mais ouais, il faut que j'appuie plus fort sur le bouton, en fait. J'appuie pas assez fort. On est habitué, vous savez, à ces manettes... ultra quali où t'effleures à peine le bouton et ça appuie. Alors que là, faut que j'enfonce les touches, putain. Comme papa dans maman. Ou comme maman dans papa aussi, c'est possible. Ne sous-estimez pas l'imagination de vos parents. Ah, putain. Ni leurs besoins. Ni leurs fantasmes. Ni leurs petits jeux au KLM. Après, ça peut être comme papa dans papa ou maman dans maman, hein, c'est possible aussi. Tout est possible et c'est ça qui est beau. Mais saute, putain de ta mère de toi! Maintenant! Mais putain, j'ai sauté trop tôt. Voilà, maintenant je saute trop tôt. Et oui, je sais bien. Mais moi, je joue sur cette merde de DualShock défoncé. Voilà. Un peu restauré, quand même, parce que... Bon, je me concentre, hein. Allez. Et allez. On est sérieux, deux secondes. Ah, les manettes de NES, quel enfer. NES, Nintendo 64, c'est... Ah, putain. C'est vraiment les deux pires manettes, je trouve. Mais putain ! De bouton triangle de mes couilles. La N64 reste confortable. Oh, putain, le stick analogique, au secours. J'avais un trou dans la main, mais vraiment, hein, de... Tellement je me foutais des ampoules à Mario Party et tout le bordel, là. Ah non, quel cauchemar, quoi. Puis ça... Ça accrochait et tout, c'est dégueulasse. C'est quand tu tournais les sticks et tout. Non, putain. Ah putain. Thank you.
Après, moi, j'ai jamais compris pourquoi il y avait trois manches avec un D-pad. Parce que la partie droite de la manette ne servait jamais dans aucun jeu. Ça, j'ai jamais compris, quoi. Putain. Ah, je vous jure, les sauts dans ce jeu sont d'une chiasserie. Jet Force Gemini. Mais qui joue à Jet Force Gemini sur Nintendo 64? Allez, il va falloir courir, Gepetto. Ok. Ah merde! Ah ouais, on pouvait jouer au D-pad dans Turok. Ça servait à quoi? Il y avait un Dr Mario sur 64? Sans déconner. Coach, en fait, il est allé sur la page wiki des jeux, mais c'est Nintendo 64 qui joue. Kirby 64, ah ouais? D'accord. Mais je veux dire, est-ce que c'est vraiment des features importants en gameplay qui se jouent le petit pad? Ou est-ce que je sais juste des trucs de merde? Et comment on fait? Genre raccourci pour aller dans les options, je sais pas quoi, des trucs qui servent à rien, quoi. Bon, cette phase est gérée, mais ah putain, j'ai oublié qu'il y avait celle-là. Celle-ci est un peu plus délicate parce que ce saut de pute. Tu te déplaces au D-pad. Donc Kirby. Wow. Au secours. Ah, il est toujours là en plus. Hein. T'as vu, il y a eu un bug. Il était pas tombé pour de vrai. Ah non, dans Mischief Makers, d'accord, ok. Mais je sais pas ce que c'est, Mischief Makers, et t'es sûr que beaucoup de gens ont joué à ce jeu? Enfin, que ce jeu a été vendu, plutôt. C'est pas un obscur truc japonais introuvable. Parce que moi, ça me dirait rien du tout. Mini Big Bamble Mignon sur ce... D'accord. Ah ouais. Ah. J'ai appuyé, putain, je vous jure que j'ai appuyé. Ça commence sérieusement à me péter les couilles. Hein. Merde, je me suis fait une tache sur le générique. C'est chiant, il faut appuyer tellement avant le saut, c'est casse-couille, quoi. Ouais, merde, et là, j'ai appuyé trop avant, quoi. Allez, que je finisse au moins ça avant d'arrêter. Thank you.
Non! Il s'est pas retourné, putain! Retourne-toi, espèce de trou du cul de mudocon de merde! Ah, c'est tellement la rigidité, ce gameplay! Un mudo très con, ouais, c'est clair. Ok. Rendez compte que j'ai appuyé sur le bouton quand j'ai commencé à courir hein, pour pouvoir sauter le truc. Quelle horreur, quel enfer, quelle merde. Et c'est maintenant, et c'est re-maintenant, voilà. Ah non! Ah putain, quel enfer. Non mais ok, le D-pad s'utilise dans certains jeux, mais c'est des jeux où tu joues pas au stick. Sinon comment tu passes d'un truc à l'autre quoi, c'est tellement pas ergonomique. C'est soit tu joues en mode classique, soit tu joues en mode avec le stick quoi, mais tu peux pas passer de l'un à l'autre. Vous allez pas me faire croire ça, les cocos. Je suis fou. Ah merde. Il faut faire des roulades. Il faut faire des roulades. Sinon, on se prend les paramites. Les paramites. Ils se sont aimés au bord du chemin. Je connais tout par cœur maintenant. Je connais le kung fu. C'est parti, vous allez pas me baiser. Dans deux. Ah, fils de pute, il est là. Ah ah. Non merde. Ah merde. Ah non. Ils reviennent. Venez. Ils sont où? Putain, fais chier, j'ai fait le con. Ça c'est rageant, tu fais fuir les oiseaux, il n'y a plus moyen quoi. C'est vraiment de la merde. Jeu de con. Vous avez une rage incroyable. Non mais c'est abusé. Bah ouais mais on nous prend pour des cons aussi là. C'est ça qu'il dit Nambiga. Je devrais mettre en alerte le non, on veut pas. C'est marrant parce que ce nom on veut pas, ça fait vraiment le do not want. Le même do not want de merde. En rapport au même do not want, ouais.
C'est notre Do Not Want à nous. Allez, ça va, je l'ai fait une fois. Je peux le refaire 10 000 fois. Les yeux bandés. En érection. La main dans la bite. Ah bah non. La bite dans la main plutôt, parce que c'est... Oui. Non. On va pas mettre la main dans la bite, parce que... c'est pas ce genre de cabriole. Merde. Wouhou ! Même pas peur ! Et hop là, et hop là, hop là, on maintient le bouton, c'est la vie, il a peur, il s'en va, il revient, attention, voilà. Ah ! La peur change de camp. Et ce coup-ci, on fait pas le con. Et on va chercher la bonne viande, allez. Mettez-vous bien, faites pas chier. Et là, je fais pas le coup. On fait les oiseaux. Allez. Oui. Ma mission était terminée. Je pensais me reposer, mais le grand visage me révéla que ma quête n'était pas achevée. Les deux cicatrices au dos de mes mains pouvaient détruire Rupture Farm et rétablir l'harmonie des temps. On dirait Fight Club. La brûlure chimique. Et voilà. Tu reviendras. Ah, c'est là. Bah du coup... Bah du coup on va pouvoir s'arrêter là. Save, oui je vais save, je vais juste me remettre C'était où Je vais mourir comme un con. Ouais je vais mourir comme un con. Trois mille ans plus tard. Je vais me remettre juste l'endroit où je dois choisir entre Paramonia et je sais même plus où c'était. C'est là-dedans, on était d'accord, hein, c'est là où il faut. C'est obligé que ça me ramène juste avant parce que sinon. Ouais, c'est un password qui est en bas de l'écran de pause, tout à fait. Ah oui, ça me ramène juste là, d'accord. Tout à fait, quand tu. Voilà. Ce qui est écrit en dessous, c'est le mot de passe. Pour reprendre ta partie dans les conditions où tu l'as laissé. Quand le jeu frise pas, bien sûr. Alors, ce que je vais faire, je vais me mettre directement dans Scrabania. Comme ça, voilà. Je vais sauvegarder à Scrabania. Ah merde! Il faut redéclencher les trucs. Je rêvais de Scrab vivant en liberté, comme autrefois, bien avant que je sois né. À présent, ils sont coupés, hachés et conditionnés en gâteaux petits pour de plus gros profits. Voilà. Et c'est ici que j'enregistre. Ça reprendra là. Et ce sera plus clair. Trois ans plus tard. Je vais nous faire appareiller avec les Monster Munch en libérant les fantômes. Ah, les Monster Munch. Moi, on mangeait pas trop de Monster Munch avec les. Par contre, on bouffait des Teddy Hits. Et ça, les Teddy Hits, ça tuait sa mère. C'était. Attendez, j'étais dans le jeu, j'arrive.
c'était ça ressemblait au Monster Mush, sauf que c'était des têtes de nounours plutôt que des têtes de fantômes. De fantômes, bien sûr, j'ai dit fantômes. Ah merde, j'ai plus ma playlist du coup. Ah merde, y a plus de musique. Ah, y a pas de musique. Parce que du coup, je suis délogué de mon truc. Et c'était meilleur que des Monster Munch. Et ça, c'était à Lidl qu'on achetait ça. Bien avant que Lidl soit hype, hein, bien sûr. Et voilà. Ah tiens, des musiques relaxantes de PS1. On va signer là-dessus, je pense. Puis voilà. Oh, petit Lara Croft. Donc voilà, vive les Monster Munch. Vive les Teddy Eat. Mais je pense que ça n'existe plus, les Teddy Eat. Je regarde. Je sais même plus comment ça c'est. Si c'était Eat comme ça ou c'était. Ouais, je sais pas, ça a pas l'air d'être ça. Ah si, c'est ça. Ça a juste changé le packaging. Le packaging. C'est Teddy's Eat. Fit ? Mais non, c'est pas Fit, c'est Hit. Attendez. Ah non, c'est Hit. Attends, je vous montre juste à quoi ça ressemblait. Ça ressemblait à ça. Je vais le mettre en grand écran. Ça, l'était Hit. Que nous mangeâmes quand nous étions enfants. C'est super bon. On s'en faisait les paquets entiers, quoi. Enfin, quand on était enfant, non, parce que c'était quand j'étais au lycée. On mangeait ça en se fumant des spliffs, en buvant des litres de Niol. Il y avait des Monster Munch Lidl. C'était des Monster Munch Lidl Price. Lidl Price, sauf qu'il n'y avait pas de fromage. En fait, il me semble que les Monster Munch, il y a du fromage, non? Je sais plus. Mais là, c'était vraiment que de la pâte à terre, quoi. Enfin, je crois. Ils disent quoi exactement? Ah, ils ont arrêté d'en vendre en 2005, apparemment. Parce que je parle le danemarkien. D'accord. Donc, ce n'est plus en vente depuis 2005, voilà. Mais c'était fort bon. Ok. Eh bien, écoutez, les gens. Les gens. Merci à toutes et à tous d'être passés ce soir. J'espère que ça vous aura plu. Ce jeu de ses morts. Bon, je sais pas si on continue la semaine prochaine ou pas. On verra. Je suis hype, mais en même temps, que de frustration. Cancérigène au dernier degré. Donc, bonne soirée à vous. Merci d'être passés. On se retrouve. Vendredi soir pour du God of War. Hein, ça fera 2 semaines qu'on n'aura pas progressé dans ce jeu. Et du coup, je vais encore devoir réapprendre à y jouer. Ça va être encore très drôle. J'ai beaucoup de patience. Mais en attendant, voilà. N'oubliez pas que vous avez été des enfants. Non, c'est pas ça, ça c'est Ark Toys. En attendant, bah, n'oubliez pas, il y a une vidéo sur la chaîne YouTube qui est sortie. Il y a même un short, c'est quand même passé la folie cette semaine. Et voilà. Et puis, bah, en attendant, bah, prenez soin de vous. Mangez des quiches, gardez la web attitude. Et surtout, m'aimez-vous, comme je le dis, bien assez souvent, bien trop souvent. D'ailleurs. Donc voilà, donc on se retrouve et vendredi. Et puis je crois que j'ai rien d'autre à dire. Merci pour tout, merci pour les subs, merci pour le soutien quel qu'il soit. Merci au Modo et au Modot et moi aussi je vous aime. Je vous aime. Merci beaucoup. Merci pour tout. Merci pour les retours encore une fois sur la dernière vidéo. Des bisous. Oui, plein de bisous à Jonah. Je vais de ce pas d'ailleurs aller lui en faire toute une cargaison. Voilà. Des bisous, à vendredi, ciao. Merci encore beaucoup. Pour tout. Et là, c'est T'es quand ? Qu'on écoute. T'es quand 2 ?